règlement auquel doivent s'atteler tous les citoyens, car un pays sans histoire est un pays inexistant. D'autre part, les événements passeront, les hommes disparaîtront, mais l'histoire, elle, demeurera à jamais. Tous et toutes doivent donc, dans un pays, travailler ensemble et tout mettre en œuvre pour que l'histoire colle le plus possible à la réalité. C'est pour cela que nous vous rappelons chaque fois au cours de cette émission que nous ne sommes ni des juges, ni des avocats, encore moins des procureurs, concernant les actes posés par ceux qui nous ont précédés dans ce pays, qui est le nôtre à tous et qui reste notre seule et première valeur de référence commune. Notre rôle ne se bornant qu'à vouloir faire pérenniser la mémoire du Cameroun. Une fois de plus donc, l'émission à laquelle nous vous convions ce soir. Auquel doivent s'atteler tous les citoyens, car un pays sans histoire est un pays inexistant. D'autre part, les événements passeront, les hommes disparaîtront, mais l'histoire, elle, demeurera à jamais. Tous et toutes doivent donc, dans un pays, travailler ensemble et tout mettre en œuvre pour que l'histoire colle le plus possible à la réalité. C'est pour cela que nous vous rappelons chaque fois au cours de cette émission que nous ne sommes ni des juges, ni des avocats, encore moins des procureurs, concernant les actes posés par ceux qui nous ont précédés dans ce pays, qui est le nôtre à tous et qui reste notre seule et première valeur de référence commune. Notre rôle ne se bornant qu'à vouloir faire pérenniser la mémoire du Cameroun. Une fois de plus donc, l'émission à laquelle nous vous convions ce soir ne suit que cette philosophie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale de la Tribune de l'Histoire. Le 6 avril 1984, à 3h du matin, certains Camerounais prennent les armes contre la République incarnée par ses institutions, tuent d'autres Camerounais. Mais pourquoi et pour quel but? C'est cet événement malheureux qu'avec un certain nombre de personnes rassemblées ici et ayant suivi cette affaire de près, que nous allons essayer sans la moindre passion, essayer d'élucider sur la base de quelques informations que nous avons pu recueillir. Mais avant toute chose, permettez-moi donc de vous présenter ceux et celles qui seront avec moi sur ce plateau pour cette émission. À l'extrême droite, c'est Aboudel Karimou. Aboudel Karimou, c'est un peu le doyen de la presse privée au Cameroun. Aboudel Karimou, en 1984, vous étiez directeur général et nous allons en parler, mais dites-nous d'abord comment vous voyez ces événements, comment ça arrive chez vous à l'université. C'est pour la deuxième fois que j'ai la chance de passer aux antennes de votre grande télévision qui est une écoute très large. Et pour revenir aux événements du 6 avril 1984 que vous évoquez, j'étais effectivement étudiant, ayant déjà terminé le cycle de licence, j'étais licencié. J'étais inscrit en thèse de doctorat. J'étais à Yaoundé le 5. Je suis parti à l'Est, sur le conseil d'un ami. Et le 6, après l'annonce du coup d'État, je suis revenu à Yaoundé. Et nous avons suivi dans l'étonnement et la surprise générale, parce qu'à notre modeste position, on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Okay. Parce que tout semblait aller si bien au Cameroun à cette époque, que subitement un matin on nous parle de coup d'État et vous êtes surpris. Et on est surpris, on alors, regarde, on ne comprend pas. On en parlera. À côté de moi, juste à ma droite, il y a Jacques Dobel. Jacques Dobel est journaliste, un des vieux journalistes du Cameroun, un des anciens quand je dis vieux. Moi je préfère toujours dire vieux qu'ancien. Alors Jacques Dobel, vous étiez à la rédaction de Cameroun Tribune à l'époque, à Yaoundé. Je crois non?
Non, je rectifie. J'étais pas à la... Je travaillais effectivement à la SOPECA, mais j'étais à la direction technique où je m'occupais de l'impression des journaux privés et des livres. Et j'avoue que la nuit du 5 au 6 avril 1984, effectivement, autour de 3 heures du matin, comme j'habitais Etoimeki, et non loin de ce qui est aujourd'hui la délégation générale de la sécurité nationale, c'est ça. J'ai entendu pendant toute la nuit une sonnerie, une sirène plus précisément, qui a retenti toute la nuit, et puis des coups de fusil qui venaient du côté d'Étoudy, puisque entre Etoimeki et Étoudy, ce n'est pas très loin. C'est autour de 5 heures du matin, j'ai allumé la radio qui ne marchait pas et j'ai réveillé mon épouse à qui j'ai dit, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe à Yaoundé. Parce que depuis longtemps, il y a la sirène de la délégation de la sûreté nationale qui était en train de retentir. Il y a également des coups de feu. Il y a sans doute quelque chose qui se passe dans la ville. Alors, merci pour ce premier témoignage. Juste à ma gauche, il y a Cyril Mbaka. Tout à l'heure, Aboudel Karimou a dit que les événements, le point culminant, c'était le 6 avril et que ça avait commencé le 4 novembre 1982. Cyril Mbaka, vous vous souvenez que c'est chez vous que j'ai téléphoné de Paris le 4 novembre 1982 aux environs de 20 h 15 et que votre père, à côté duquel vous vous trouviez, m'a annoncé que le président Ahidjo venait de démissionner. Donc, je sais que depuis cette date, vous et moi, on a toujours discuté, vous avez suivi. Alors, vous étiez à Douala le 6 avril 1984. Comment vous avez pris cet événement? Qu'est-ce que vous avez pensé au moment où le lendemain, on parle de coup d'État, le 6 avril? Oui, je dois dire que le 6 avril, nous étions loin du champ d'action et nous n'avions donc pas suivi, comme les panélistes ici, le feu de l'action, mais nous avions quand même en souvenir, avant les indépendances, 58, 60, avec tout ce que ça comporte. Et quand on apprenait qu'il y avait une tentative de coup d'État à Yaoundé, ce n'était que la consternation, la désolation, parce que nous pensons que c'est tout ce qu'il faut éviter. Le sang a coulé au Cameroun avant les indépendances, et je crois qu'en République, on doit penser à autre chose. Donc, loin du champ d'action, nous ne pouvions être que désolés, consternés, au vu de ce qui arrivait à Yaoundé et au vu des gens qui allaient perdre leur vie. Voilà, donc c'est de loin que nous avons vécu cela. Et c'est plus tard que nous apprenions toutes les nouvelles, parce que entre Douala et Yaoundé, la communication n'était pas celle que on a aujourd'hui. Les choses ont évolué. Mais à cette époque, eh bien, ma foi, on était sur le qui-vive, on voulait savoir ce qui se passe. Et comme le téléphone avait été coupé, alors, et enfin, il y a Denis Kouébo. Denis Kouébo, vous êtes le plus jeune des panélistes ici, mais vous n'êtes là, ça ne vous enlève pas votre qualité de journaliste talentueux. Vous êtes journaliste dans le journal Le Jour, qui a repris sur deux numéros successifs une grande interview de Guerandi, qui a été un des putschistes qui a réussi à fuir dès les premières heures. Alors, vous étiez jeune, je dis vous êtes le plus jeune ici, vous étiez en sixième. Donc, vous avez pu ne pas vous rendre compte. Mais le fait que vous soyez un journaliste talentueux, et je sais que vous suivez beaucoup de politique, je viens de dire que votre journal a sorti sur deux numéros de suite l'interview de Guerandi. Alors, ne serait-ce qu'à travers cette interview, vous avez dû imaginer ce que cela pouvait être. Non, au Ce 6 contraire, avril. vous savez bien que je m'occupe beaucoup des questions de sécurité. Je m'intéresse à travers mes reportages et enquêtes à l'armée principalement. Je côtoie beaucoup les officiers supérieurs, les officiers généraux. Et
Le 6 avril, j'étais en 6e dans mon village et on n'a presque rien appris dès les premières heures de ce qui se passait parce que... Surtout pas avec votre âge en 6e. En 6e, oui, ben, on est quand même fils de maquisard et quand on est fils de maquisard, on doit pouvoir s'intéresser à la vie politique de son pays. C'était pas, il n'y avait pas d'informations là-dessus. Et quelques rares personnes qui avaient écouté, je crois, des chaînes étrangères. Et pour rappeler votre village. J'étais à Balingou. Je suis allé chaque matin au collège à Bazou. Donc, je dis que sur les ondes courtes, on avait suivi ce qui s'est passé. Donc, ceux qui captaient les radios étaient venus dire que il y a M. Aïdjo qui venait de reprendre le pouvoir. Donc, il y a eu une série de rumeurs qui couraient. Mais bon, les gens du Nord viennent de renverser le président Biya. Ensuite, ça n'a pas été ça. Il y a eu échec de la tentative de Butch. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, quand il y a une série de littératures, surtout que M. Guérandi, dont vous parliez tout à l'heure, revient tous les 12 mois avec soit un communiqué, soit une tentative de communiqué pour rappeler qu'il était le patron de cette mutinerie. Parce que tout à l'heure, je crois que je vais vous dire qu'il n'y a pas eu coup d'État en 1984, il y a eu tentative de coup d'État. Absolument. S'il y avait eu coup d'État, Biya ne serait plus là. Donc il y a eu tentative. Très bien. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'au cours de cette émission, nous serons obligés de vous rappeler certains événements, certaines dates, certains événements qui se sont passés pour vous permettre de mieux suivre cette émission avec nous. Parce que chaque fois, je rappellerai quelques actes qui se sont passés et puis dès cet instant, les panélistes pourront débattre là-dessus et apporter ce qu'ils savent. Alors, je vais donc commencer par vous rappeler que Paul Biya arrive au pouvoir le 6 novembre. Le 10 novembre, il y a une augmentation de salaire. Le 21 décembre 83, il y a une autre augmentation de salaire. Et il y a une augmentation de bourse. Donc, c'est un peu l'euphorie quand on arrive en janvier 84. Monsieur Roger Sombaï, vous étiez parmi les bénéficiaires de l'augmentation de la bourse. Vous avez suivi ces événements. Oui, tout à fait. Avant même l'augmentation de la bourse, le 6 novembre 1982, quand le nouveau chef de l'État prête serment à l'Assemblée nationale, devant l'entrée du palais des Verts, le dispositif des populations qui étaient là le long de la clôture lycée Leclerc, si vous revoyez les images de l'histoire, étaient constitués majoritairement des étudiants. Moi, j'étais juste en face de la sortie. Et je n'ai pas vu le président arriver parce que le cortège est vu passer l'entrée. Mais à sa sortie, nous l'avons vu dans sa démarche, il portait un costume bleu ciel. Il avait les jeunes, une démarche élégante et tout. Et c'était l'euphorie. J'étais parmi les groupes d'étudiants qui sont déferlés en sortie du président, quand il passait tout par revue. Nous avons accompagné sa voiture. J'ai même tenté. Je me suis rendu compte que la distance entre le Pachot Carrier et là où le jeu était tellement long, parce que nous avons même tenté de le toucher. Le corps de dispositif de sécurité était éclaté. Les chevaux étaient dans la foule. Nous l'avons accompagné comme ça jusqu'à la poste centrale, là où l'armée nous a stoppés. Donc depuis le 6 novembre, les étudiants s'étaient mobilisés de façon enthousiaste. Et les premières mesures du chef de l'État intéresse naturellement aussi les étudiants. Quand il y a cette augmentation de bourse, nous saluons par une motion de soutien dont je suis l'un des signataires parce qu'avant cela, comme vous le dites, si bien, il y avait d'abord une augmentation des salaires de nos parents. Donc c'est un peu, on appelait ça à l'époque des folles, des folles espérances qui étaient nées. Un enthousiasme, un jour nouveau s'était levé sur le Cameroun. Et nous, les jeunes, on a vécu ça avec beaucoup de rêves. C'était un peu de l'hystérie. Et pour revenir à ce que vous dites, effectivement, tout commence si bien. Passé la peur du 4 novembre, parce que le 4 novembre, après son discours, j'étais dans ma chambre, et j'écoutais la radio, je fuis ma chambre pour aller dans la cour. Quand j'arrive dans la cour de la cité universitaire du président Aïdjo, oui. Je remarque que les gens courent dans tous les sens, chacun fuit pour aller se réveiller dans la chambre. Je rentre dans ma chambre, je tente d'ailleurs de me glisser sous le lit.
Ce jour-là, on avait l'impression que le Cameroun s'était arrêté. Mais deux jours après, il y a eu un déchaînement. Donc, jusqu'en janvier 84, jusqu'aux événements de 84, tout paraît aller si bien. Bien que nous ayons entendu parler de certain nombre de choses, mais que, auxquelles nous ne croyons pas. Parce qu'il y a eu quand même des rumeurs qui ont commencé en 83. On disait qu'il y avait une tentative. Oui, oui. Mais je veux dire, sur le plan de la vie des Camerounais. Tout allait si bien. Et le Cameroun semblait plus que jamais un pays fort parce que en mai, je crois quelques temps avant la démission du président, n'oubliez pas qu'il y avait le 10e anniversaire de la réunification où il y avait, on avait aménagé les routes à Yaoundé. Le président Idjo avait fait des interviews, il avait parlé d'un Cameroun prospère et quelques temps après il démissionne, il demande qu'on soutienne le nouveau président. Tout semble si bien aller, le Cameroun se porte très bien. C'est votre avis, Jacques Doumel. Et moi, j'avais reçu des gens chez moi, je les accompagnais. Et puis, arrivé au Carrefour, là, je me dis, mais tiens, cet indicatif qui retarde, là, il y a sans doute quelque chose qui s'annonce. Je suis donc rentré rapidement chez moi, et puis mes autres sont partis. Et à peu près 10 minutes après, le journal a commencé avec ce discours du chef de l'État qui démissionnait et qui demandait aux Camerounais de soutenir Koulibia, qui son premier ministre, qui devait prêter serment deux jours après comme président de la République. Or, le matin, il y a un ami qui nous a raconté, ils étaient dans une gargote au niveau de Libye, c'est en face du mess des officiers plus précisément, et quelqu'un est entré après ce discours pour annoncer à ceux qui étaient dans la gargote, et Dieu vient de démissionner. Les gens se sont levés, ils ont dit, écoute, ne nous apporte pas la malchance ici, on a même failli l'agresser. Et puis à un moment donné, les gens se sont dit, mais tiens, il ne peut pas s'amuser comme ça. Et tout le monde a vidé la gargote. Et ceux qui étaient dans les rues de Yaoundé ce soir-là se souviennent qu'autour de 20h30, chacun était rentré chez lui parce que les gens avaient peur. Ils se disaient que s'il y a une démission comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Un saut dans le vide. La peur du vide. Il y avait vraiment comme une peur. Mais le matin, les gens se sont ressaisis, ils sont allés au travail, dans les bureaux, partout, c'était les commentaires sur ce discours du 4 avril au soir. Bon, jusqu'au moment où le nouveau chef de l'État a prêté serment le 6 novembre 82, tel que vient de le raconter notre jeune compatriote là. Et les jours suivants. Et les jours suivants, tout allait si bien. Et que comme moi je travaillais à la SOPECAM à l'époque, nous du secteur privé ou du parapublic, nous avons bénéficié de cette augmentation de salaire comme tout le monde. Et puis bon, la vie allait très bien jusqu'en 1983, lorsque les rumeurs ont commencé, les problèmes ont commencé avec l'éclatement de la grande province du nord, l'éclatement de l'ancienne province du centre-sud en deux provinces, et puis bon, le fameux coup d'État dont Oui, c'est très bien, Jacques Doumel. Ce que nous voulions, c'est de savoir comment vivaient les Camerounais. Donc, vous dites tout allait assez bien pour Abdel Karimou. Je sais que vous avez écrit beaucoup sur cette période. Donc vous avez suivi la vie des Camerounais, la vie du Cameroun en général, c'est-à-dire jusqu'à 84, de novembre 82 à ce fameux 6 avril 84. Votre point de vue là-dessus? Oui, en ce qui concerne la démission d'Amadou Ahidjo, le 4 novembre 82, je pense que Monsieur Doumel et mon proche voisin ont déjà dit ce que les Camerounais avaient ressenti pendant les deux jours, la démission 4 novembre, la prestation de serment du nouveau président le 6. En vérité, quel Cameroun est-ce que Ahidjo laisse? Lui-même le dit, il laisse son Cameroun qui se porte bien. Les finances publiques, disait-ils, sont saines. C'est lui qui, dans son discours, il a tenu à le dire. Bien, lui aussi dit que le Cameroun qui se porte relativement
bien. L'économie camerounaise se porte relativement bien. Et dans la foulée, il augmente les salaires. Il procède même à d'autres mesures. L'arrivée de Biya est saluée par une telle ferveur que il était difficile de contenir l'enthousiasme de la population. D'abord sa jeunesse, les gens voyaient en lui le changement. Et ceux qui, depuis toujours, ont considéré que Aïdjo c'était autre chose, et se sont dit voilà, enfin venir une aube nouvelle. Donc c'est avec cela que nous bien entamons sa présidence, avec un état de grâce. Je pense qu'aucun président... C'est rare de voir ce que de vivre ce genre d'atmosphère. Peut-être qu'avec le président américain, Obama. Alors, il y avait donc cet espoir, ces attentes-là. Et honnêtement, le Cameroun était considéré comme un pays au seuil, c'est-à-dire qui dont l'économie devait décoller. C'était l'un des pays les plus émergents, qui était considéré comme un pays émergent. Donc, c'était tout à fait normal que tout le monde se sente, disons, bien. L'économie se portait relativement bien. Ça, on ne peut pas dire que ça se portait très bien. Donc, mais seulement après, les choses ont commencé à se gâter. Parce que ça, il faut le reconnaître aussi. Les choses ont commencé à se gâter, c'est par la nature même de la dévolution du pouvoir. Aïdjo a posé un acte que beaucoup de gens n'ont pas compris, aussi bien dans son propre camp que dans le camp de Biya. Voilà ce qui a commencé, qui a sans doute été à l'origine de tous les problèmes. C'est bien. Alors, je vais vous faire un autre rappel avant de vous donner la parole. Quand Biya arrive donc au pouvoir, et jusqu'en avril 84, il n'a pas changé de gouvernement. Le seul qui soit qu'on ait changé dans l'équipe qu'Aïdjo a laissé en place, c'est M. Eboua Samuel, qui devient ministre d'État chargé de l'agriculture. Et à ce que je sache, selon les indiscrétions, le président Biya lui aurait posé la question que, bon, puisque je vais vous décharger du secrétariat général, je voudrais vous proposer de choisir un poste et que c'est Samuel Eboua lui-même qui aurait choisi le ministère de l'agriculture, en se disant que cela lui permettra d'organiser un comice agro-pastoral en Consamba. Est-ce que c'est vrai, Aboudel? Je sais que vous étiez un des confidents de Eboua. C'est tellement une indiscrétion. Monsieur Eboua, paix à son âme, me l'a confié. C'est lui-même qui a choisi le poste, le ministère de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, parce que me disait-il, il me l'a dit. Il envisageait de faire, d'organiser un comice agro-pastoral en Consamba pour... faire en sorte que la ville de Consamba profite pour être rénovée entièrement. Ça, donc, c'est lui-même qui me l'a dit. Donc, il a choisi lui-même. Donc très bien, ce n'est donc pas une brimade qu'on l'ait envoyé là-bas. Non. Et même quand on l'envoie à l'agriculture, celui qui le remplace comme secrétaire général n'est autre que un des fidèles d'Amadou Aïdjo, Sadou Daoudou. Alors, Biya va garder toute l'équipe d'Aïdjo jusqu'au chef du secrétariat particulier militaire, Ousmane Odaouda, que Biya va promettre d'ailleurs au rang de chef d'état-major particulier. Il garde tout le monde en place. Le deuxième changement auquel il va procéder, c'est qu'à un moment, je crois au mois d'avril, il va enlever Issa Bakary de la délégation générale à la gendarmerie pour le remplacer par un autre fidèle d'Aïdjo, Ibrahim Awadjiri, qui lui part du poste de secrétaire général du ministère des Forces armées, où Mevame Boutou va le remplacer. Donc, jusque-là, il n'y a aucun changement. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, comme diront certains par la suite, la bande à Biya, parce que c'est les mêmes qui restent là. Or, je vais me permettre de vous lire ici le discours de Mutin. Ce discours est lu par Yaya Adoum, le petit frère de Issa Adoum, pressenti, paraît-il, pour être président par intérim. Il dit ceci, Camerounaise, Camerounais, l'armée nationale vient de libérer le peuple camerounais de la bande à Biya, de leur tyrannie, de leur escroquerie et de leur rapine incalculable. Oui, l'armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de cet individu contre l'unité nationale de notre pays. En effet, le Cameroun vient de vivre au cours des 15 derniers mois qu'a duré le règne de Biya, les heures les plus noires de son histoire. Son unité mise en péril, la paix interne troublée,
sa prospérité économique compromise, la réputation nationale ternie. Chers compatriotes, vous avez tous été témoins de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ses hautes valeurs. Les libertés des citoyens, telles que dénoncées dans la Déclaration des droits de l'homme, n'étaient jamais respectées. La Constitution était ballottée au gré des considérations de la politique politicienne. Le gouvernement et ses agents propulsés à la tête des rouages de l'État agissaient comme pour seule devise, non pour servir la nation, mais se servir. Tout se passait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et en effet, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Alors, je reprends mot à mot. On nous dit la bande à Biya. Nous venons de voir tous que Biya, on ne pouvait pas considérer ce qui était autour de lui comme sa bande, parce que c'était tous les gens que Aïdjo avait laissés en place. On nous dit que cet individu a porté atteinte à l'unité nationale de notre cher pays. On nous dit qu'il a mis en péril, son unité a été mise en péril, la paix interne troublée, la prospérité économique compromise, la réputation nationale ternie. Pour que le libéralisme, qu'il parlait de libéralisme, de démocratie, d'intégration, alors que chaque jour son action bafoue ses valeurs. Les libertés des citoyens, telles que dénoncées par la Déclaration des droits de l'homme, n'étaient jamais respectées. La Constitution était ballottée. Alors, vous qui avez vécu avant 82 et qui avez donc, vous aviez un certain âge, Monsieur Cyril Sambaka, est-ce que ce qui est dit par les mutins vous paraît conforme à la réalité de ce que vivait le Cameroun à cette époque? Surtout au vu de ce que je viens de dire. Souvenez-vous qu'on a dit tout à l'heure qu'aucun changement n'avait été opéré parmi les hommes qui étaient en place. Oui, il m'est difficile de répondre directement à cette question sans faire une petite analyse. Absolument. Oui, alors, ce que je vais dire, c'est que ça, c'est un discours de mutin. Que vous vous retrouviez en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou ailleurs, je crois que c'est le même discours que les mutins ont. Parce qu'en principe, ils sont en train de vouloir prendre le pouvoir, donc ils dénoncent le pouvoir qui est en place. Même quand bien même, ce qu'ils disent, c'est le discours classique des mutins. Mais je voulais aussi, dans mon analyse, vous dire tout à l'heure que les institutions ont joué en 82. C'est-à-dire que nous étions dans un parti unitaire, dans un pays où il y avait le parti unique, où il fallait que les jeux des institutions se jouent. Le Premier ministre a remplacé le chef de l'État qui était démissionnaire. Et il était aussi évident que dans ce contexte-là, que ce soit tous ces hommes politiques qui peut-être à ce moment-là se divisent en clans ou pas, mais il était difficile d'aller prendre les UPCistes à Paris pour venir faire le socle du nouveau pouvoir. Ce qui veut donc dire que on ne peut pas, après les deux ans, dire que 15 mois, on pouvait tenir compte mot à mot de ce que ces mutins ont dit. Parce que nous avons des exemples ici, des choses qui marchaient, les salaires qui étaient augmentés, les étudiants qui étaient contents. Donc, entre la prise de pouvoir et la tentative de coup d'État, on peut dire que pour le Camerounais moyen, il n'y avait rien à dire. Tout se passait normalement. C'est les mutins qui viennent donc leur annoncer que ça ne va pas. Mais moi, je dis, je ne tiens pas compte des discours des mutins. Je tiens compte des analyses qu'on vit, des analyses des économistes. Je tiens compte des analyses des juristes, je tiens compte des analyses des journalistes qui peuvent dénoncer à un certain moment des choses qui ne marchent pas. Mais quant à dire que le discours des mutins était retracé ce qui se passait au Cameroun,
Je dis ça, je prends ça avec beaucoup de réserve, parce que ça, je considère cela comme le discours des mutins. Daubel, Jacques Daubel. Oui, je dois dire à la suite de M. Sambaka que si, d'ailleurs, ça il faut le reconnaître, pour nous qui étions à Yaoundé, qui vivions un peu ces événements en direct, si ce discours n'a pas mordu, c'est parce que personne n'y a cru. Parce que personne ne pouvait... C'est-à-dire qu'il était en contradiction, avec la réalité. C'est pour ça d'ailleurs que... Et il faut dire que c'était tellement curieux qu'au lieu que les gens se tairent chez eux pendant que les armes crépitaient, dans les quartiers qui étaient éloignés d'Obili, par exemple, ou du camp Yeya, les gens étaient dans la rue, dans les ventes emportées, en train de boire. Moi, je me souviens que quand je sortais de chez moi pour aller au travail, parce que j'ai même pris le risque d'aller au travail ce matin-là, il y a le répétiteur de mes enfants qui était assis dans une vente emportée en face qui me dit « Monsieur Do, nous, on est en train de pleurer ici. » C'est comme si c'était vraiment un jeu, hein. Mais c'est quand les gens venaient donc des autres quartiers en fuyant ce qui se passait là-bas pour venir se réfugier dans nos quartiers où c'était pratiquement paisible, qu'on s'est rendu compte que, mais tiens, il y a quelque chose de sérieux qui se passe à Yaoundé. Et quand on commençait à apprendre qu'il y a eu même des morts, il y a le grand-père de Yannick Noah qui a été abattu, je crois, devant... devant l'ancienne ambassade des États-Unis. Oui, oui. Il y a une jeune fille qui a été atteinte par une balle perdue alors qu'elle était dans sa chambre au niveau de la montée en rouge. Et les gens se sont rendus compte que, mais tiens, c'est tragique. C'est les dégâts collatéraux. Donc, c'est dire que si ce discours n'a pas été suivi à ce moment-là, c'est parce que vraiment il était en contradiction totale avec la réalité qui se passait dans le pays. Aboudel Karim. Oui, je vais dire, comme l'a rappelé M. Mbaka, c'est-à-dire que tout ce qui est excessif devient dérisoire. Lorsque vous suivez le contenu de ce discours-là, avec des termes aussi triviaux, c'est-à-dire on tombe dans une trivialité telle que on ne peut pas imaginer que c'est des gens sérieux qui ont rédigé un discours pareil. Tu comprends? Alors, ce qui fait que la population, si la population avait adhéré à cette tentative de coup d'État, je pense que ça aurait été autre chose. On aurait vu que les choses auraient changé. Mais en fait, c'était en totale, disons, contradiction avec ce que la population, elle ressentait. La population, je ne dirais pas toute la population, parce qu'il faudrait aussi noter une chose. Et c'est là où, lorsqu'on fait œuvre d'historien, on est obligé d'appeler un chat, même si il faut ménager certaines susceptibilités. Cette tentative de coup d'État portait une marque de fabrique. C'était le fait de quelques éléments, je dis quelques éléments parce que je voudrais pas généraliser, d'une faction de l'armée, des éléments du Nord, parce qu'il ne faut pas généraliser, il ne faut pas dire que tous les Nordistes étaient derrière le coup d'État. Quelques éléments égarés qui se sont dit, écoutez, peut-être qu'il faut tenter quelque chose. On va continuer à bouder ça. Oui. Je voudrais qu'on rentre au fond de... Non, tu ne peux pas. Nous allons rentrer. Je ne dis pas ce qui a été dit. Oui. Parce qu'il faut que, comme c'est une émission d'histoire, ce n'est pas vrai que Aïdjo laisse un pays véritablement prospère. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi. Et quand on écoute les lignes que vous venez de lire, on se rend bien compte autant on ne peut pas parler des gens de Biya, on peut parler des gens d'Aïdjo. Parce que ce discours traduit une certaine proximité entre ceux qui le rédigent et qui tentent de renverser les institutions et M. Aïdjo. Vous sentez bien qu'on appelle ça en anglais « disgruntled ». C'est-à-dire que ce sont des éléments qui ont quelque chose contre Biya. Et ces gens sont réputés de par les lignes et les sous-entendus proches de M. Aïdjo. Parce que quand ils disent qu'il a tout ce que Biya a bafoué, entre guillemets, c'est que Biya refuse d'être comme il entendait le valet de M. Aïdjo. C'est ça qui pose un problème. Parce que quand on dit l'unité nationale mise à mal, c'est que Biya refuse de servir de, je sais pas, de sous-traitants à M. Aïdjo. Il y a cet élément-là qui est fondamental
Et la satisfaction des Camerounais, on va l'examiner tout à l'heure, la satisfaction, l'euphorie, c'est qu'on sortait d'une dictature féroce. Et le temps de 3 ou 4 semaines, on a pensé qu'on passait à autre chose, mais je ne crois pas qu'on soit passé véritablement à autre chose. Donc, au fond, aujourd'hui, après coup, on n'est pas passé à autre chose. Non, on ne peut pas, Monsieur Kouébo, nous ne pouvons pas, et je m'insurge, on ne peut pas parler de ce qui se passe 25 ans après avec la situation de 1984. C'est tout à l'heure qu'on le verra. Oui, pour l'instant, on ne peut pas encore, voilà. A priori, on peut pas a priori accuser bien de ce qui va venir seulement après. Là, je suis absolument d'accord. Monsieur Nani, je voulais verser notre élément dans ce dossier, à savoir dans les discours de Mutin. Il y a la version que M. Guirandi a servie dans le journal Le Jour. Et dans ce développement des justifications, lui a parlé de glissement vers l'effondrement de l'État. Il a évoqué des crises diverses, allant jusqu'à la crise de légitimité. C'est là que je voulais quand même donner un témoignage sur ce point. Tout le monde se souvient que, malgré qu'il soit arrivé chef d'État par le mécanisme légal constitutionnel, le chef de l'État camerounais, en janvier 1984, a tenu à organiser une élection présidentielle anticipée qui a eu lieu le 4 janvier. Et cette élection a engagé tous les Camerounais qui l'ont voté à une écrasante majorité. Et l'élément de l'histoire que je veux donner, c'est que moi je suis étudiant, comme je vous l'ai dit. La curiosité, c'est qu'à l'université, les étudiants demandent à voter, n'étant même pas inscrits sur les listes électorales. Je connais une délégation qui va à l'Athé, qui rencontre le directeur des affaires politiques, qu'on a reconnu à l'époque. On se met à fabriquer des listes électorales pour inscrire des étudiants. Veulent absolument voter. Voilà. On a créé 2 bureaux d'enregistrement des étudiants au bâtiment D, à la chambre 118, ma chambre, et à la chambre 101, au bâtiment D. Nous avons inscrit, j'ai personnellement inscrit plus de 7000 étudiants en moins d'une semaine. On a créé un bureau de vote exceptionnel au sein du campus universitaire, à la chancellerie qui est devenu le rectorat. Le président de ce bureau de vote s'appelait Mbom Clément, secrétaire général de l'université, et j'étais l'un des membres du bureau. On était à 4. On se met à faire voter les étudiants, on se rend compte qu'ils viennent de plus en plus nombreux et ils n'étaient pas inscrits. Là, tu nous as donné l'autorisation de faire voter tout le monde. On prend les feuilles volantes. Vous arrivez, vous inscrivez votre nom, vous prenez un bulletin, vous allez mettre dans l'usine. C'était un plébiscite. Ils voulaient absolument voter. Donc, je fais cette demande pour montrer que en janvier 1984, le président de la République s'est fait réélire. Donc il acquiert la légitimité populaire, il est réélu par tous les Camerounais, une grande majorité. Donc il n'y a pas de menace à l'unité nationale, parce qu'il a été élu au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, par toutes les catégories des Camerounais. Voilà un peu l'élément. Il faut d'abord rappeler, avant de continuer, qu'en temps, Ahmadou Ahidjo lui-même fait le tour des 10 provinces, et qu'entre-temps, en novembre 83, puisqu'il y avait déjà eu des clashs que je veux évoquer, il démissionne. La communauté internationale lui demande de démissionner du poste de président du parti et le laisser à Biya. Ça, à Paris, nous avons suivi comment les gens sont partis le voir à Grasse et en lui demandant qu'il crée une situation anormale en refusant de démissionner. Alors, ceci dit, je vais vous tracer. Je vais vous une petite précision. C'est vrai que la Madrid fait une tournée dans toutes les provinces du sud. Il est vite allé au nord. Et pendant toute sa tournée, il ne prononce à aucun moment le nom de son successeur. Il parle de son successeur. Il parle de son successeur constitutionnel. Il ne parle à aucun moment du président Biya. Oui, c'était pour dire que si Biya est là, c'est par le jeu de la Constitution exclusivement et qui n'a pas de légitimité populaire. Là, c'est là où je comprends pourquoi Biya, quelques mois plus tard, en janvier 84, il organise une élection présidentielle pour anticiper. Ça, il faudrait le préciser. À aucun moment, il ne parle de Paul Biya. En tant que président, il parle de mon successeur constitutionnel. Et il ajoute, il tient absolument à ajouter dans tous ses discours, successeur constitutionnel. La précision qu'Aboudel Karimou vient d'apporter est très importante.
Aïdjo, nulle part, n'a parlé du président Biya lors de ses tournées dans les 10 provinces. Il a toujours parlé de son successeur constitutionnel. C'est-à-dire que, ne disons les choses comme il faut le dire, il savait qui a Biya et lui. Alors, pour étayer ça, je vais vous faire un certain nombre de rappels. Le 4 novembre 82, Aïdjo annonce sa démission. Le lendemain matin, le 5 novembre 82, Moussa Yaya, son fidèle depuis 35 ans, va le voir. Il lui demande, nous sommes ensemble depuis 35 ans, on a même uni nos sangs, puisque ton fils a marié ma fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux me dire, cette affaire, tu ne m'en as pas parlé jusqu'à ce que j'apprenne comme tout le monde, le 4 au matin, quand tu réunis le bureau du comité central. Aïdjo lui répond, je ne sais même pas moi-même ce qui s'est passé hier. Et Moussa Yaya me l'a dit un jour, et aujourd'hui, j'ai à côté de moi Sombaï. Sombaï Roger a accompagné Joseph Charles Doumba au cours d'une mission du RDPC en 1997 à Garoua. Roger Sombaï, vous étiez dans cette mission, je crois, dans cette délégation. Vous y étiez ou pas? Je ne trahis pas de secret. J'étais effectivement... Vous étiez. Et que quand Joseph Charles Doumba pose la question à Moussa Yaya, il lui dit, 15 ans après, dis-moi un peu ce qui s'est passé. Que lui dit Moussa Yaya? Il raconte à peu près ce qu'il vous a raconté. Oui, il lui dit... Je ne sais pas moi-même ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Et ça veut dire que... Et c'est même plus précis. Il dit, je regrette mon acte d'hier. C'est grave. Ça veut dire que... Pendant le 5. Aïdjo démissionne le 4. Et le 5 au matin, il le dit à Moussa Yaya qui regrette son acte. Je vais donc continuer. Il était donc normal, dès cet instant, que si Aïdjo lui-même déjà regrette, que ceux qui étaient avec lui... qui lui devait tout, qui avait été propulsé par lui, commencent eux-mêmes à ne pas se sentir bien. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Le 4 novembre 1982, à Paris, il y a le gouvernement camerounais organise à Paris le 3 et 4 novembre les journées touristiques et gastronomiques du Cameroun. Cela se passe à l'hôtel Suffren. À l'hôtel Sofitel de Suffren, de l'avenue Suffren au 15e. Le 4, c'est le clou de la manifestation. Il y a un grand dîner de gala avec des ballets qu'on a ramenés du Cameroun. Ces manifestations sont présidées par trois personnes. Amadou Ali, délégué général au tourisme, Amadou Bello, président directeur général de Cameroun Airlines, et Feu Martin Mba, directeur général adjoint du groupe Novotel au Cameroun. Le 4 au soir, donc, nous sommes là, conviés, et il y a beaucoup de gens de Camer, celles que les personnes travaillant à Paris, telles que mon ex-épouse, et même des grands cadres. Il y a le directeur commercial, il y a Doug Collins, le député actuel, qui est à l'époque chef département de promotion et tourisme à Camer. Alors, à 20h15, Amadou Bello vient vers moi, il me donne 200 francs français, un billet, il me dit, toi qui es journaliste, va essayer de téléphoner au Cameroun pour savoir ce qui s'y passe. C'est ainsi que je vais appeler chez Cyril Mbaka, le premier numéro qui me passe à la tête. Je descends à la réception, j'appelle. Je tombe sur lui et son père, et son père me dit, le président Aïdjo vient de démissionner, il a dit de faire confiance à Biya. Je remonte, j'appelle Amadou Bello. Je lui dis, Aloué, Aïdjo vient de démissionner. Il appelle Amadou Ali, qui se trouve juste à côté de lui, il lui dit, viens. Les deux hommes avancent, je les suis derrière. Doug Collins, qui est surpris de voir cette attitude, fonce vers moi. Il me retient par derrière, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, Aïdjo vient de démissionner. Nous arrivons dans la chambre d'Amadou Ali, et je vois, et c'est pour dire que les gens ont pleuré, mais chacun... pour une autre de sa raison. Je vois Amadou Bello pleurer. Il dit ceci, président Aïdjo, comment nous avoir embarqué
dans cette affaire si vous saviez que vous alliez partir si tôt? Pourquoi ne nous avoir pas préparés? Et Amadou Ali lui dit, moi je crois que Paul Biya a le sérieux, il a l'expérience, s'il travaille, tout marchera. J'ai rappelé ça dans le journal Le Libéral que je tiens ici, du novembre 2003, à l'occasion du 21e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Paul Biya, parce que François Ebele, qui a ce journal, m'avait demandé de lui faire un papier. J'ai fait une sorte de monographie où je parlais des gens du pouvoir. J'ai donc cité ce que Amadou Ali avait dit ce jour-là, qu'il n'a pas contesté. Alors, je fais cette parenthèse pour dire qu'il était tout à fait normal que Aïdjo lui-même, regrettant déjà, que ces gens à lui commencent à regretter et qu'ils n'acceptent pas. C'est ainsi que le premier incident qui va arriver en janvier, je crois le 17 janvier 83, on doit remettre à Amadou Aïdjo le prix d'Aga Marshall pour la paix. Le camp, c'est-à-dire ceux qui sont autour d'Amadou Aïdjo, sortent un programme. Et dans ce programme, ils disent que Paul Biya va arriver avant Amadou Aïdjo pour le recevoir. Et les autres disent non. Les jeunes qui étaient des exclus d'hier et que Biya vient de promouvoir, il y a la Conchou, il y a Mboui, il y a Ngango, il y a Mataga, il y a Ouna et tout, et qui sont tous des juristes pour la plupart, disent non. La Constitution, les autres disent que Aïdjo est président du parti, donc il doit passer au-dessus de Biya. Les autres disent non, la Constitution ne prévoit pas ça. Donc toute la journée, il y a la bagarre. Jusqu'à ce que Aïdjo finisse la mort dans l'âme d'accepter de venir avant Biya. Quelques 5 jours après, 6 jours après, nous lisons un décret dans Cameroun Tribune où François Senghakou, ministre chargé de mission à la présidence de la République, est affecté au cabinet de l'ancien président de la République unie du Cameroun à la demande de ce dernier pour rédiger ses mémoires, soit-il. Mais moins de 2 semaines après, selon des informations en notre possession et que nous avons publiées à l'époque dans Africasi, qui n'ont jamais été contestées, François Senghakou, Amadou Aïdjo, aurait demandé à François Senghakou de lui faire un projet de constitution où le président du parti est au-dessus du président de la République. Ce que François Senghakou aurait fait. Il a donné ça à la secrétaire pour que celle-ci se saisisse et que lui relise avant de remettre à Amadou Aïdjo. Or, quand il va demander à la secrétaire, cette dernière lui dit que Amadou Aïdjo a pris tous les documents, y compris les manuscrits, et qu'il aurait envoyé au secrétariat général à la présidence où se trouvait Sadou Daoudou, pour que ça soit transmis à l'Assemblée. Cela a-t-il été transmis ou pas? Je ne sais pas, on ne nous l'a jamais confirmé, mais on nous confirme que cela avait été fait. Voilà le deuxième couac. Dès cet instant, le camp de Biya, comme on dit, comprend qu'on ne veut pas laisser Biya travailler, qu'il était devenu un président intérimaire. Parce qu'une personne a encore dit quelque part que ce que souhaitait Aïdjo, en fait, c'était de faire de Biya un président intérimaire pendant un moment, en attendant le futur congrès de l'UNC, qui aurait accouché peut-être d'autres choses. Vous voulez intervenir? Oui, Anani, je voudrais ajouter, parmi les couacs qui ont eu lieu en 83, il faut dire que s'il y a eu cette élection en 84, comme l'a rappelé tout à l'heure Roger, c'est parce que déjà en 83, on avait assisté à une rumeur de coup d'État dans lequel étaient impliqués deux proches collaborateurs de l'ancien président de la République, c'est-à-dire le commandant Oumarou, le commandant Ibrahim et puis le capitaine Salatou. Son ancien garde du corps de Cameroun. Oui, ils étaient déjà incarcérés, si mes souvenirs sont exacts. Et comprenez donc que cela ne pouvait que remonter des problèmes entre les deux équipes. Et quand vous présentez les professeurs Bué ou Ouna et les autres comme des exclus, ils n'étaient pas si exclus que ça, parce que c'était quand même des professeurs d'université, oui, mais qui n'étaient pas dans le cercle. Qui n'étaient pas dans le cercle du pouvoir. C'est ce que j'ai dit. Les exclus d'hier, les gens de côté,
Biya remonte. Bon, Nkwete était déjà, je crois, le secrétaire général des services du Premier ministre. Non, il était responsable des affaires des services économiques. Après, c'est Biya qui le sort du ministère du Plan où il était, dans un coin, pour en faire le responsable. Le secrétaire général à l'époque, c'était Mundiki Adolphe. Okay. Je pense que vous êtes encore là en train de dire que dès le 5 novembre 1982, il y a des problèmes et des problèmes fondamentaux. Tout à fait. Ça, c'est ce que nous avons. Il y a déjà deux camps, au moins, qui se forment, même si ce n'est pas des clans. C'est-à-dire, il y a au moins deux camps. Un camp qui pense qu'il y a effectivité du transfert de pouvoir, mais il y a, d'un autre côté, des gens qui pensent que cette affaire aurait dû ne jamais aller de tout à l'heure. On se dit, quand Aïdou dit qu'il regrette l'acte du 4 novembre, ben, personne ne dit ce qu'il regrette. Il regrette donc quoi? Pourquoi pose-t-il son acte? Il faudrait peut-être qu'un jour quelqu'un réponde à cette question, mais il me semble que... Il n'y a que lui qui aurait pu répondre. Allez-y. Monsieur, vous avez peut-être raison de vous demander ce que Aïdou regrettait. Mais Aïdou regrettait le fait qu'il a laissé le pouvoir à quelqu'un et qu'il l'a fait sur un coup de tête. Disons un peu, analysons un peu les choses très rapidement, parce que je pense qu'il faut avancer. Aïdou démissionne le 4 novembre 82. Aucun de ses proches, ça je vous dis, aucun de ses proches n'a été informé à l'avance. Aucun. C'est-à-dire que c'est le jour même, le matin, qu'il appelle certains pour leur dire, écoutez, moi j'ai décidé de partir. Et même parmi ceux-là, il y avait Biya. Ils se sont mis à genoux, commencé à lui dire non, partez. Bon, alors. C'est d'autres informations, d'autres rumeurs nous laissent entendre que ce serait une sorte de coup d'État monté par la France, tout ça. Mais moi, j'ai enquêté auprès de mes confrères journalistes français de la gauche, aussi bien que ceux de la droite. J'ai eu à rencontrer plus d'une vingtaine de journalistes français. Ils m'ont dit que c'est des histoires. Et quand on raconte, on veut mettre ça sur la tête de Mitterrand en disant que parce que Mitterrand avait refusé à Mitterrand de venir défendre les Ndogmo au Cameroun. Ça, c'est des histoires aussi. Ça, c'est des histoires. Mitterrand n'a jamais demandé à venir défendre qui que ce soit. Il faut ajouter à cela ceci. On a prétendu que les médecins français, c'est eux qui ont dit à Aïdou, or, chaque fois que Aïdou était consulté par des médecins français, il y avait toujours à côté de lui Adam Maté. Et qui est resté avec lui son médecin personnel, jusqu'à sa mort, Adam Maté, c'est-à-dire qui contrôlait les consultations des autres. Donc ces médecins français ne pouvaient... Mais si j'avais quelque... Je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'après que Moussa Yaya avait raconté cette histoire, il avait ajouté ceci, que la main de Dieu était passée par là. Oui, donc, de toute façon, moi, je suis croyant, mais je ne voudrais pas qu'on mette Dieu à toutes nos petites combines, à toutes nos petites cuisines. C'est que la dévolution de pouvoir en faveur de... Ça se fait dans le BIA, ça se fait dans un contexte tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de démocratique ni de républicain dans ce qui s'est fait. Alors, ça s'est fait comme entre... Même en monarchie, je pense qu'on connaît au moins le dauphin. Et on sait dans quelles conditions il accède, il remplace le roi dauphin. Mais là, c'est Aïdou qui décide. C'est-à-dire, nous sommes dans un système comme en Iran avec les ayatollahs. Il décide seul, tout seul, même sans construire, il n'a construit tout personne. Alors, ce qui veut dire que c'est lui seul qui pouvait nous donner la réponse sur ce qu'il voulait faire exactement. Attends, bon, Samba. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec le doyen. Parce que, en réalité... Je n'ai pas rappelé tout à l'heure que Samba a été vice-président national de l'IDC. Oui, parce que en réalité, je pense qu'un chef d'État, quand il doit prendre une décision aussi grave, il n'a pas besoin de consulter ses amis. Il a besoin, en toute âme et conscience, de prendre une décision qui engage tout un pays. Il a pris la peine de faire une constitution qui pouvait enclencher la succession. Et je dois vous dire, au regard de ce qui se passe, que quand un chef d'État en poste dit à ses amis, je vais partir, forcément, ses amis vont enclencher un mouvement
avec des motions pour dire que nous avons besoin de vous. Vous ne pouvez pas partir. Mais la preuve, c'est que ceux qui sont le groupe de 12 qui est parti le vendredi matin se mettent pratiquement demander à Idjou de rester. Ils étaient là. Malgré cela, tous les barons du après pays. Avoir déclaré cela, leur travail c'était de démontrer encore au président Idjou que ta place est là, il faut revenir. Vous comprenez donc que devant des décisions comme celle-là, il est très difficile qu'on mette quelqu'un au courant. C'est la raison pour laquelle je prendais les déclarations de Monsieur Moussa, de feu Moussa Yaya, avec beaucoup de réserve, parce que peut-être qu'il n'a pas tout dit. C'est lui seul, et aujourd'hui il n'est plus là. Donc en fait, Aïdjo a posé un acte seul, la constitution, la mécanique de la constitution s'est enclenchée, le président Biya est arrivé au pouvoir. Je crois que ce que les Camerounais devaient faire, c'est de respecter la constitution. Mais au-delà du fait que Aïdjo lui-même, s'il le disait avant, peut-être qu'on ne lui aurait pas donné le temps de démissionner. Donc ça, ça pose un problème aux Camerounais de savoir que l'usure du pouvoir joue. Et quand quelqu'un se sent usé et qu'il doit partir, il faut le laisser partir. Il ne faut pas qu'il y ait des pressions pour qu'il reste. Et je crois que Aïdjo a bien fait de démissionner et d'informer ensuite, parce que c'était un problème qui regardait le pays, un problème qui le regardait. Oui, et dans ce que vous avez dit tout à l'heure, M. Anani, vous avez mis en exergue une situation qui prévalait en 1983, où on sent bien que le bicéphalisme était congénitalement lié au processus de dévolution successorale du pouvoir en 82. Qu'est-ce qui se passe immédiatement après? On sent que les deux leaders, Idjo reste à la tête du parti et le nouveau chef de l'État, se trouvent dans une compétition de contrôle des effectifs dirigeants, des ressources humaines qui étaient en place. Idjo espérait avoir gardé la haute main sur la classe politique qui était conçue des gens qu'il a mis en place. Le chef de l'État nouveau comptait sur leur compréhension, qu'ils comprennent que lui est devenu chef de l'État. Il garde un système qui continue et qui devrait naturellement se mettre à son service, puisque tous étaient au service de l'ancien président. Et votre journal, vous vous souvenez, sur des interviews de Guérandi, le deuxième numéro où Guérandi déclare qu'il n'a pas avoir été reçu par le ministre Sadi Amadou Ali, dès que ça s'affiche là. Et passer la première phase de la restitution journalistique, quand vous analysez les motivations, parce que quand vous lisez le contenu, il dit Amadou Ali me reçoit avec le ministre Sadi en 2004, me tient des propos que je ne comprends pas et tout. Mais quand vous allez au second degré, vous sentez comme il y a comme un relan de règlement de compte. Pourquoi? Parce que Amadou Ali, lui, vient d'en parler. Il a témoigné sur Amadou Ali. Et mais René Sadi, c'est qui? René Sadi, l'un des derniers actes important qu'il pose en tant que président national de l'UNC, c'est de nommer René Sadi directeur de l'école des cadres du parti. Donc il attendait certainement que René Sadi joue un rôle déterminant dans le combat qu'il engage contre le nouveau président pour le contrôle de l'appareil du pouvoir, ce à quoi le ministre Sadi ne souscrit pas. Et quand les proches d'Aïdjo, notamment Guinardi, qui en parlent aujourd'hui, vous sentez en arrière-fond. Donc il y a une compétition de contrôle des dirigeants en place, de la classe politique en place. Et les gens commençaient à se positionner, certains comme les Labaran et autres, qui ont refusé d'aller à la réunion du lac et autres, qui se sont ralliés, ou le ministre Sadou Daoudou qui leur a dit, écoutez, moi je ne marche pas dans des choses comme ça. Bien qu'il y a commencé à avoir du schisme, et c'est ça qui a fait le lit. Vous avez bien fait de parler de cette réunion du lac parce que j'étais déjà au niveau de ce qui se passe au palais de Vert avec la remise du prix d'Aga Marshall d'Aïdjo. Après, il y a cette réunion du lac où l'actuel ministre d'État, Bello Bouba, premier ministre à l'époque, rassemble ce qu'il appelle les ministres du Nord et musulmans.
quand il dit musulman, c'est pour rallier à sa cause le sultan Bumbunjoya, qui à l'époque était ministre et qui a confirmé et que Sadou Daoudou et Bumbunjoya lui ont répété que, mais attention, mais quelqu'un dans la salle lui rappelle que toi qui parles aujourd'hui, tu dois cette place à Paul Biya, puisque c'est Maïkano que Ahmad Wahidjo proposait pour être Premier ministre, et que Biya aurait dit que Bello Bouba étant plus jeune et dynamique, et il a encore la jeunesse, il pourrait être plus dynamique, beaucoup de travail pour faire les réformes. Alors, c'est quand quelqu'un rappelle ça dans la salle à Bello Bouba qu'il devient tout petit, et Sadou Daoudou qui leur dit, Bumbunjoya leur dit, mais Paul Biya peut nous arrêter ici tous, puisque nous sommes en plein complot. Alors, là, dès que ça se passe comme ça, il faut rappeler que Aïdjo est déjà parti du Cameroun. Il part dès que son histoire de refaire la constitution échoue. Il part du Cameroun, il va s'installer à Grasse. C'est en novembre 83 qu'on finit par lui dire non, il faut qu'il parte. Donc, ça, tout ça, voilà les ingrédients qui sont réunis pour qu'on arrive. Je vous coupe. Qui fait le lit d'un complot qui, manifestement, est différent de celui que votre, je sais pas, monsieur Guérandi, présente, parce qu'il y a justement un complot, je veux dire, nordiste, entre guillemets, parce que ce n'est pas tous les nordistes. Tous les nordistes. On va voir que le 6 avril 1984, ils ne sont que seuls dans la rue à vouloir à prendre ce pouvoir, parce qu'on n'a pas vu des mouvements. Je dis sectariste ou clanique ou je dis tribal se lever contre Biya, c'est tout le monde qui s'élève pour barrer la voie justement à ce coup d'état qui est celui d'un groupuscule à la solde de M. Aïdjo. Jacques Daubel, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Denis que je partage entièrement. Alors, après toutes ces analyses, avant de passer à autre chose, la conclusion donc que nous faisons, que vous faites sur le discours de Mutin, ça veut dire que ce coup d'État, cette tentative de coup d'État, n'avait vraiment pas d'argument valable. Non, pas du tout. La tentative de coup d'État, je l'ai dit depuis le début, n'avait aucun argument valable. C'est pour cette raison d'ailleurs que, et même, c'est pour cette raison que des gens, parce que quand les éléments de la garde républicaine ont constaté que vraiment c'était la débandade, il y en a qui entraient dans les maisons, enlever leur tenue de militaire pour prendre les vêtements civils dans les maisons dans lesquelles ils entraient pour prendre la fuite. Et il y en a qui ont été arrêtés par la population et pour être remis aux forces loyalistes, comme on disait à l'époque. Même juste en Gaoundéré, je me souviens qu'on a arrêté Mazo. En Gaoundéré, le capitaine Mazo, caché dans un plafond. Et quand il fuit à l'intérieur du plafond, les gens ont tiré. C'est comme ça qu'il avait été atteint avant de ramener sur la terre. Je vais donc ajouter ceci. Alors, dès cet instant, comme a dit Aboudel, il y avait des gens qui, en fait, ne parlaient que du cœur. C'est-à-dire dire que, bon, avant qu'on ne nous enlève, barrons le chemin. Ils ont fait une guerre préventive. Or, l'histoire a toujours condamné les guerres préventives. Oui, allez-y, abonnez-vous. Non, l'histoire n'a pas toujours condamné les guerres préventives. Les Romains ont toujours dit que pour préparer la paix, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Et même, donc, ça veut dire que même on peut attaquer de manière préventive pour prévenir la paix. Non, Monsieur Anani, vous avez tout à l'heure demandé, vous êtes dit, est-ce que vraiment il y avait des raisons pour que les gens prennent les armes contre la République? Moi, je vous dirais qu'il n'y a jamais eu de raison dans aucune République pour que les militaires prennent les armes contre le pouvoir institutionnel. Même dans la Rome antique, parce que je parle de Rome, les généraux avec leurs légions se tenaient hors de Rome. Il ne fallait pas franchir le Rubicon. Même si vous avez un problème, et surtout ne vous approchez pas du Sénat. Bon, alors, il n'y a aucune raison. Parce que je voudrais le dire à l'adresse de mes jeunes confrères, qui vont très vite en besogne pour dire que oui, il y a des choses qui justifient que les militaires prennent le pouvoir. Les militaires sont faits pour rester dans leur caserne. S'il y a insurrection populaire,
n'est-ce pas, insurrection populaire, et que les militaires viennent se mêler à la population. Là, je dis que c'est une bonne chose. Mais lorsque les militaires, surtout une faction, je dis une faction, imaginez cette petite faction, hein, d'égarés, ils prennent le pouvoir. Mais nous siégeons sous une dictature pire que celle de je ne sais pas moi, d'Aïdo ou même de Paul Biya, puisque je vous dis que c'est, on dit que c'est encore la dictature. C'est ça, enfants de Dieu. Donc je dis, j'ai encore, puisque j'ai pu lire quelque part ces temps derniers que ce qui se passe aujourd'hui, les malheurs que nous vivons aujourd'hui, justifie largement ce que les... Paul Biya donne raison aux mutins. Aux mutins. Aux pichistes. Les républicains ne doivent jamais parler de cette manière. C'est pour ça que je voulais dire d'abord qu'Anani dit qu'il n'y avait pas de raison. Il n'y a même pas de raison. Il n'y a pas de raison que les militaires sortent de leur caserne pour prendre le pouvoir. La République. Encore que les mutins, même quand on écoute leur discours, ils sont en train de conforter le régime pour lequel les Camerounais venaient de se libérer. Parce que quand ceux qui ont vécu les scènes à Yaoundé décrivent la peur au début et la liesse populaire ensuite, cela veut dire que les gens comprennent qu'ils sortent d'un joug. Si Paul Biya et les autres partent se mettre à genoux devant Aïdjo, ce n'est pas tant parce qu'ils veulent qu'Aïdjo ne parte pas, c'est parce que Aïdjo a été seul à détenir le pouvoir en fait. Donc, il est hors de question que des gens... Et on a même dit, certaines personnes ont dit qu'ils l'ont fait parce qu'ils se disaient que peut-être ils voulaient savoir ce qu'ils veulent si des gens veulent même par démagogie arracher le pouvoir par les armes, ils ne viennent pas légitimer un pouvoir qui a été, je veux dire, décrié et vomi par l'immense majorité de la population. Donc, ce serait... Quand on relit l'interview de Guérandi, il se comporte en démocrate. On ne connaît pas ce type de démocrate avec des armes qui réveillent les gens le matin, qui veulent assassiner des paisibles citoyens dans une ville. Il n'y a pas cette forme de démocratie-là, n'existe que dans la tête d'un vendeur. Nous arrivons donc à 1900. Oui, vas-y. À la suite du développement qui vient d'être fait et qui est très important d'ailleurs, je resitue ce que l'histoire. De tout ce qu'ils ont raconté, ce qui s'est passé le 6 avril, donc de 1982 jusqu'au 6 avril 1984, n'ont pas assez mis en exergue l'implication des jeunes dans cette affaire. Et c'est pour rejoindre ce que vient de dire le précédent orateur intervenant. En fait, sous le régime Aïdjo, depuis les années 1974, qu'est-ce qui se passe à l'université? C'est la confrontation permanente. Nous étions en guerre, moi j'ai entendu monsieur dans les années, fin des années 79. La dernière grande grève, c'est 81, où Aïdjo tourne en disant que l'ordre régnera par tous les moyens à l'université. Nous vivions comment? Il n'y avait pas de bourse. Nous étions dans l'université à plein à craquer des effectifs. C'était un régime de privilégiés. Si vous étiez fils de tel ou vous réussissez ou ne réussissez pas. Et nous étions en grève permanente. Donc quand le nouveau président arrive et parle de mérite et de compétences, nous sentons les premiers concernés. Et c'est la jeunesse qui se mobilise, dont la première, pour soutenir le nouveau régime. Parce que pour nuancer tout ce que nous avons dit au début, il faut quand même admettre que tout le long de l'année 83, il n'y a pas une grande mobilisation, une expression de mobilisation pour soutenir, parce que la liesse de 6 novembre, les gens savent quand même qu'on est en plein cri de bicéphalisme. Ni le parti politique qui était à l'assaut d'Aïdjo, il n'y avait pas la société civile, et déjà était comme tétanisé. On écoutait, on suivait, il y avait des batailles entre les deux leaders. C'est les étudiants, les jeunes qui sont les premiers à porter le stockade au régime Aïdjo défunt. Et le président Biya dénonce la dernière tentative le 22 août 1983 à 13h20. Le 23 août, Aïdjo réagit. Je laisse les autres interventions qui faisaient tempestivement tout ce temps. Il réagit le 23 sur RFI. Le 24, écœuré par les propos qu'il a tenus à l'endroit du nouveau chef d'État, qu'il a traité de fou, de flègue, qu'il a phobie de coup d'État. Nous sommes mis dans la rue. Le 24, nous avons organisé une marche à Yaoundé, du campus universitaire. C'est à la poste centrale, au rond-point de la poste centrale. Les populations sont sorties d'oublier partout. Quand on arrive au rond-point du ministère de l'Éducation, il y a à peu près 10 000 personnes qui nous suivent.
le chancelier Foumana Kame qui vient de la prison, c'est là qu'il vient s'adresser à nous. Jean Fouchivet vient s'adresser à nous pour dire que le chancelier, nous marchons pour aller à Etudi, pour dire que trop c'est trop. Et il nous demande de regagner le campus. La marche passe par la porte centrale, nous arrivons à l'Assemblée nationale, qui pour nous est le symbole de l'institution démocratique. C'est là que nous chantons l'hymne. Et nous rentrons au campus. On adresse le même soir une motion de soutien au président, dans laquelle on demande deux choses. La première chose, on répond à la critique d'Aïn Diouf, à son discours de la veille, pour dire que non, le Cameroun n'est pas un pays où on fait des arrestations arbitraires, où il y a des tables de coupe, c'est ce qu'il avait dit la veille. Et deuxièmement, nous demandons que la loi s'applique avec la même rigueur à tous ceux qui, des pauvres de loin, se sont mêlés de ces tentatives. Et deux jours après, c'est là que la session de Foundi entre en danse. Et ma basée convoque la main de la session de Foundi. Et c'est nous qui constituons le gros des effectifs de cette marche. C'est avec des cars qu'on transporte des étudiants pour aller marcher pour le Foundi. Et ma basée l'appelle dans les autres sections du UNC à marcher. Voilà comment l'embrasement part et du 24 août jusqu'au 14 septembre. Tout se dénoue en 17 jours, date du congrès extraordinaire où Aïn Diouf remet sa démission deux jours avant. Donc j'ai dit l'histoire n'a pas beaucoup retenu le rôle des jeunes dans cette affaire. L'homme politique a parlé. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je lui donne tout à fait raison. D'autant plus que la jeunesse, c'est elle qui doit, qu'on doit tenir compte de cette jeunesse pour bâtir l'avenir. Nous avons, depuis un moment, ressorti tous les ingrédients qui ont atterri, qui ont préparé le 4 avril, le 6 avril. Maintenant, nous allons parler des événements même du 6 avril. Alors, vous savez tous que dès que l'armée, les militaires attaquent à Yaoundé, j'ai offert passer un élément, c'est-à-dire que comment a été organisée la contre-attaque. On va commencer par parler de ça maintenant, puisqu'on a parlé déjà, on parle de l'arrivée des militaires dans la nuit, comment les militaires attaquent et tout, tout, tout. Cet élément, c'est une ancienne gare désaffectée. Je suis allé retrouver l'ancien chef de gare qui était là. C'est-à-dire que c'est là où sont arrivés les premiers militaires qui sont venus au secours à Yaoundé. Le 6 avril, dans l'après-midi, donc, Moudiki va jouer un rôle important avec l'ancien gouverneur qui était à Douala à l'époque, l'ancien gouverneur du littoral, Nkaifong Pefura, et quelques personnes. Donc Moudiki va mettre à la disposition de l'armée deux trains. Et ces deux trains vont partir avec des gens comme le capitaine Ifuru Jando, qui doit être aujourd'hui retraité colonel quelque part en Gousso. Le premier train va arriver à la gare de Mbangom. Et c'est à cette gare-là qu'on va sortir les militaires. La gare de Mbangom se trouve à peu près à 20 km de Yaoundé, à côté de Noumaïos. Et l'autre train va atterrir à Ngoumou. Merci d'avoir accepté de refaire ce parcours avec nous, c'est-à-dire, comme on dirait, retour sur les endroits historiques, donc pour le cadre de la tribune de l'histoire. Alors, vous étiez chef de gare en Bangon ici, le 6 avril 1984, n'est-ce pas? Oui, monsieur le journaliste, j'étais effectivement le chef de gare de Mbangon à cette période-là. Et c'est ici que le premier train de secours a débarqué. En effet, avant que ce train arrive, j'ai reçu un camion, il y a un camion militaire qui est arrivé et qui a stationné derrière la maison. C'est-à-dire c'était le logement. C'était le logement dans lequel j'habitais avec toute ma famille, une femme et trois enfants. Et l'autre logement, celui-ci, c'était un logement à deux appartements pour les agents, les chefs de sécurité. Il y a un autre au fond là-bas, qui est également un troisième logement à deux appartements pour un chef de sécurité et un agent télécom à l'époque. Donc, quand le camion des militaires arrive, il se garde derrière votre logement. Oui. Le camion d'un militaire est arrivé. Et il a garé derrière
logement là, et trois militaires sont descendus du feu cadre. Il n'avait pas de galon. L'un de s'est adressé à moi, il a demandé, nous voulons rencontrer le chef de gare. Je me suis présenté, j'ai dit je suis le chef de gare. Et ils m'ont demandé, et le monsieur m'a demandé, est-ce que le secours est déjà parti de Douala? Moi je n'en avais aucune idée. Je lui ai dit, je n'ai pas entendu parler d'un secours, mais descendons à la gare et allons voir par téléphone, on va s'informer. Nous sommes donc descendus à la gare. À la gare, oui, à la gare ici. Arrivé donc ici à la gare, j'avais mon collaborateur qui travaillait ce jour-là comme chef de sécurité, c'était M. Etundi Nyongola. Nous sommes arrivés, j'ai pris le téléphone dispatching, qui est un téléphone du chemin de fer qui permet de communiquer avec toutes les gares du réseau. J'ai donc, je me suis annoncé au dispatching, et le régulateur qui était à Douala, parce que nous avons ce qu'on appelle, nous avions à l'époque ce qu'on appelle, on appelait le PCC, c'est-à-dire le poste de contrôle de coordination de circulation. Donc le monsieur qui, c'est un poste qui contrôle toute la circulation du réseau, c'est-à-dire qui organise le croisement et le dépassement. Le monsieur donc qui travaillait à Douala, je l'ai eu, et je lui ai passé le message que le militaire qui était avec moi à la sécurité me demandait de passer, lui disait qu'il veut parler. Au courrier, il a donné le nom d'un cadre militaire que j'ai oublié aujourd'hui. Et le collaborateur de Douala, c'est-à-dire le monsieur Pise qui travaillait au PCC, n'étant pas au courant de ce qui se passait, n'étant pas vraiment à chaud au courant, il m'a dit qu'il ne pouvait pas se lever parce qu'il était pris à sa table, il ne peut pas aller jusqu'à la salle d'attente de la gare de Douala, c'était l'ancienne gare de Douala, pour pouvoir appeler ce cadre militaire. Alors je lui ai dit vraiment, il faut que tu fasses quelque chose parce que c'est une situation grave. C'est à ce moment-là que le militaire en question, qui était avec moi, m'a arraché l'écouteur de la main et il s'est annoncé, il a dit sergent, il a donné un nom. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il est un sergent chef. Il a dit, monsieur Priso, c'est un ordre, allez me chercher, il a donné le nom de ce monsieur. Bon, justement, Douala s'est exécuté et par la suite, la conversation a eu lieu entre les deux. Moi, je me suis placé à la véranda, ils ont fini la conversation et ils sont revenus. Le soir donc, le premier secours a débarqué. Le train de secours est arrivé. Nous, on ne savait même pas qu'il va s'arrêter ici, mais on savait qu'il y a un train de secours qui arrive déjà à partir de l'information et tout ce qui venait de se passer. Le secours est donc arrivé et dès que le train s'est arrêté, un capitaine est descendu et il a regardé l'environnement, il s'est assuré que tout est en ordre, tout est sans risque et il a donné un ordre à ses troupes. Selon les informations en notre possession, ça devrait être le capitaine Efouzidjando qui habiterait quelque part en Goussou à Yaoundé et que nous n'avons pas pu joindre. Alors, il y a le train, il y a combien de wagons à peu près? On ne pouvait pas, c'était la nuit, hein, c'était un train de nuit et puis nous étions dans une situation, dans une atmosphère de crainte en même temps que de recherche de sécurité. On ne savait pas, je ne sais pas la peine de compter, mais c'était quand même un train. Qui était assez, c'était un train normal, on ne pouvait pas dire deux, trois wagons. C'était un train assez important. Mais seulement, il y avait beaucoup de militaires qui sont descendus avec des caisses à munitions. Et c'est cela sur le terrain, comme vous voyez là. Ce terrain que vous voyez. L'esplanade, là, sur le terre plein là, c'est là qu'ils ont cassé leurs caisses. Ils ont chargé les armes, ils ont pris leur paquetage et ils sont passés par cette route que vous voyez qui est aujourd'hui fermée déjà par les herbes. Nous sommes donc, chers téléspectateurs, en pleine forêt devant cette gare affective, comme vous avez dit, mais qui a marqué son nom dans l'histoire, car la libération de Yaoundé est bien partie d'ici. Nous tenions à venir vous faire voir ça. Nous avons eu la chance, donc comme je vous ai dit, de trouver monsieur... Ernest, chef de garde de l'époque ici. Donc nous voulions que vous viviez ça avec nous. Nous avons eu besoin de cet élément pour cette émission. Alors vous pouvez apprécier l'état des lieux. Et M. Nsombo, je voudrais ajouter que après ce premier train de secours, il y a eu un deuxième. Parce que nous en avons eu l'information. Le deuxième train s'est arrêté en Goumou. Et on nous a fait savoir que ça relève d'une stratégie militaire qui c'était pour déjouer l'ennemi, parce qu'on ne peut pas avoir débarqué ici pour un premier train et que le deuxième vienne également débarquer là. Bon, ils ont préféré débarquer en Goumou, certainement aussi parce qu'ils avaient une mission de ce côté-là. Donc c'était les deux trains que je peux déclarer ici connaître.
C'est vrai que je n'étais pas en Goumou, mais c'était évident parce que beaucoup de personnes en ont parlé. Et par la suite, même ça a été vérifié. Merci donc Monsieur Zombo, Lyoko, Ernest. J'espère que nos téléspectateurs vont apprécier que nous soyons venus jusqu'ici au lieu de leur parler de cet endroit-là seulement sans qu'ils aient vu les restes de cette gare désaffectée, d'où est partie la libération de Yaoundé ce 6 avril à 22h. Et il faut aussi rappeler, comme je l'ai dit déjà au début, que M. Moudiki, Adolphe à l'époque, président directeur général de la Régie nationale de chemin de fer, on comprend donc qu'il aura joué. Même s'il reste modeste, même s'il reste discret, nous comprenons qu'il a joué un rôle important en mettant à la disposition de l'armée des trains pour cette libération. Merci pour cette première partie de cette émission. Alors, c'est là où les militaires ont atterri en premier. Alors, c'est ainsi qu'on découvre que des gens comme Moudiki ont joué un rôle dans ce pays, puisqu'il est président directeur général de la Régie nationale de chemin de fer, où il a remplacé quelques mois avant Toby Kouo, nommé délégué du gouvernement par Paul Biya. Donc, et ces militaires vont arriver. Le deuxième, c'est les troupes aéroportées qui partent de Koutaba, et en même temps, le colonel Ebogo, à l'époque commandant, qui lui part de Bolova et pour prendre l'aéroport de Yaoundé. Maintenant, nous allons terminer peut-être cette émission, mais on ne peut pas le terminer sans parler des chiffres. Les chiffres, nous, on a publié dans le numéro Africasie, numéro 320, du 23 avril 1984. Il faut préciser que nous avions eu la chance, à l'époque, Africasie avait le vent en poupe ici, parce que c'est nous qui avions publié pour la première fois ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette histoire de la Constitution, ce projet de constitution, parce que Senghor nous en avait parlé. Et c'est comme ça que nous avons publié ça en juillet de 1984. Et maintenant, donc, on avait le vent en poupe, on a été reçus. Nous sommes arrivés au Cameroun par le premier avion qui est arrivé, c'est-à-dire le 9 mai, dans cet avion, il y avait l'ambassadeur de France, il y avait le ministre Mbok des Affaires étrangères, il y avait le ministre Fenchama Etienne qui était bloqué à Paris. Et nous sommes donc arrivés. Et le 16, je dis le 17 avril, dans la nuit, nous avons même eu la chance, parce que quelqu'un très proche du ministre Anze Tchungi à l'époque est venu nous chercher à l'hôtel des députés pour nous amener en Balmayo. Et on ne nous a pas laissé entrer là, dans la salle du procès, mais nous étions dans les environs. Alors, le jeudi 12 avril, les autorités donnent officiellement les chiffres suivants. 70 morts, dont 4 civils et 8 éléments des forces loyalistes. 265 gendarmes disparus. 1053 putschistes faits prisonniers. Mais nous avons pu ajouter dans le numéro, dans l'enquête que nous avions faite, qui a donc paru dans Africasie du 23 avril, Philippe Essomba et moi, qu'il y a eu plus de morts. Parce que nous sommes allés voir des gens qui étaient dans les maisons, qui avaient perdu leurs parents, vers la route d'Obala par exemple, et qui étant de ce côté-là, prenaient les corps et se dirigeaient directement vers Obala, parce qu'ils ne savaient pas à quel moment se terminerait la guerre, comme ils disaient eux-mêmes. On a vu des gens, quelqu'un prend ses baluchons, il met sur sa tête et sur la tête de sa femme, et son fils, il dit... même si je vais aller mourir, c'est au village. Ils prenaient la route de balle et ils prenaient des balles. Alors, ce qui veut dire qu'en réalité, à la date d'aujourd'hui, personne ne peut dire avec exactitude le nombre de morts. Car c'est le samedi 14 avril que les putschistes sont vaincus. On arrête effectivement le commissaire Sadou sur la route de balle. Je crois que c'est un commissaire tout d'agent Paul qui a dû l'arrêter, Sadou, l'ancien commissaire central de Douala, et qui s'était retrouvé à la délégation générale, à la sûreté nationale. Et Sadou a joué un grand rôle. Parce que quand nous sommes partis voir Mbangangele à l'hôpital de garnison, là où il avait été blessé,
Il nous a expliqué que Sadou avait un talkie-walkie avec la fréquence de la police et que les gars de la GR avaient un talkie-walkie avec la fréquence de l'armée. Alors quand Limbarga Ngele essayait d'appeler ses troupes pour venir à leur rescousse, Sadou captait. Et c'est ainsi que Sadou est allé chez lui avec les éléments. On a abattu sa belle-sœur devant lui, on l'a blessé lui-même. Et les deux premiers éléments qui devaient venir, il y avait Ayouk et Biloa, deux policiers qui venaient donc au secours de Limbarga Ngele, avaient été eux aussi abattus. Alors, tout ceci, on a vu qu'il y a eu donc des dégâts collatéraux. Mais je donne tous ces chiffres. On a vu comment le grand-père de Yannick a été abattu et d'autres personnes. Mais le problème, tous ces chiffres que je donne, le capitaine, et le Yaya Adoum, qui était lieutenant, c'est lui qui a lu le communiqué et c'est lui qui a appelé l'Elysée et qui a parlé à Guy Pen. Le matin, il lui a dit que c'était fini pour Biya. Et que Guy Pen lui aurait dit, ça Guy Pen l'a répété à M. Simon Malé, qui était directeur d'Africasie, et que Guy Pen lui aurait dit, il faut épargner la vie des gens, et notamment le président Biya. Yaya Adoum lui aurait répondu que je ne peux pas vous garantir que sa vie soit épargnée. Ça, il faut que les gens le sachent. Donc, il y a Issa Adoum, ceux qui sont arrêtés, le capitaine Abassi, Souleymanou, Arouna, Seydou, et le colonel Salé, Issa Adoum. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive au point qui m'intéresse et sur lequel je vais ouvrir le débat. Quand les gens qui ont été jugés et condamnés et d'autres qui ont été tués parce qu'ils avaient été livrés, c'est-à-dire les putschistes, quand on arrête les premiers putschistes, il y a sûrement de la délation, mais il y a aussi que c'est les putschistes qui dénoncent certains. Et quand on fait des recoupements, comme je vous ai parlé d'Amadou Bello, on retrouve que quand Aïdjo part, Amadou Bello prend sur lui, sans demander au gouvernement de mettre l'avion, le 747, un aéronef camerounais, à la disposition d'Aïdjo. Cet avion qui est sur la route de Paris, on improvise une escale à Nice pour déposer Aïdjo et tous ses bagages. Donc on leur reproche des choses comme ça et tout. Je ne dis pas que ces choses soient valables, mais ce qui m'embête, c'est que quand les uns et les autres parlent, tout le monde est blanc comme neige. Les seuls qui ont été martyrisés, c'est ceux-là qui pourtant ont pris les armes contre la République. C'est eux qui se passent aujourd'hui en martyr. Est-ce que vous trouvez ça normal, Abouder Karim? Non. C'est-à-dire pour eux, vous savez, de l'autre camp. Les putschistes, en général, d'ailleurs, M. Barkam l'a dit tout à l'heure, les putschistes trouvent des justifications, même si ces justifications ne sont pas valables. Et il faut aussi éviter le fait que, éviter de croire que dans ces putschistes-là, bien que ce ne soit qu'une poignée, quelques centaines de personnes, il faut pas croire qu'il n'avait pas de complicité parmi les civils. Ils avaient beaucoup de complices. Et c'est ces complices qui aujourd'hui. Il y avait beaucoup de complices. Et puis comme ce putsch a pris une coloration régionale, disons même ethnique, je me dis que c'est la difficulté que nous avons à l'évoquer aujourd'hui, c'est parce que les blessures ne se sont pas encore cicatrisées. Et je pense même que... Nous faisons l'histoire. Oui, je pense que cette histoire est encore tellement récente que... Les principaux acteurs sont encore vivants. Non, mais doit-on attendre que vous, Aboudel, moi, ceux qui avons quelques informations, qu'on meure. Mais vous avez eu de la peine à réunir sur votre plateau aujourd'hui certains protagonistes de ces événements. Parce que justement, ils se disent que ils auraient pu apporter beaucoup de précisions. Mais vous voyez, ils peuvent quand même éclairer les gens, parce que ceux qui ont d'une manière ou d'une autre participé à ces événements, ils ont peur. Ils se disent que le moment n'est pas venu de parler. Et même quand ils veulent parler, ils parlent. Non, mais ils parlent quand ils parlent seuls. En privé. Pour justifier
ce coup de force-là. Mais quand Guérandi parle dans des journaux, oui, mais justement, ce que je voudrais dire pour quelqu'un comme Guérandi, moi, ça me rappelle un homme comme Guérandi qui se fait l'instigateur, pour ne pas dire le cerveau de cette insurrection, de ce coup d'état, de cette mutinerie. Moi, je pense que lorsque ça se termine par une tragédie aussi grave pour des milliers de personnes, je parle aussi bien des familles des putschistes que des victimes des forces loyalistes et de la population civile. Mais lorsqu'il y a eu tant de sang coulé pour rien du tout, lui, je pense qu'il aurait pu rester tranquille. Parce que ce coup d'État, c'est un coup d'État, ça a été mené d'une manière avec un tel amateurisme que vraiment, je ne sais pas s'il doit encore parler. Il aurait pu se taire ou alors il aurait pu se donner la mort. Pour qu'on l'oublie. Ça, c'est vrai. Parce que je connais un général français, c'est le général Boulanger. Nous sommes dans les années 1880, dans les années vers la fin du 19e siècle. Il était tellement populaire à Paris. Il est devenu même ministre de la guerre et tout ça. Alors, la population lui dit de prendre le pouvoir. La République est encore chancelante. La République vient de naître. La Troisième République, la République vient de naître seulement. Alors, on lui dit de prendre le pouvoir. Alors, la population de Paris se rassemble. Alors, pour qui là, il dit, monsieur Boulanger, à l'Elysée, Boulanger à l'Elysée. Alors, il y a un de ses amis qui lui demande, mais, et la République? Et la République? Vous allez contre la République? Mais le type, il s'est replié. Et comme il avait renoncé, il a vu qu'il a dessus toute la population. Il s'est retrouvé à Bruxelles où il s'est donné la mort. Donc, je dis que quand on a échoué dans une opération comme celle-là, qui a fait des milliers de victimes, des centaines de victimes, il vaut mieux qu'on se taise. C'est pour ça, pour Guérandi, je ne sais pas s'il peut donner des choses, trouver une justification quelconque pour lui, on avait raison de faire ça. Il faut dire qu'il y a une classe de Camerounais, notamment des journalistes, qui, je crois, par ignorance, pensent qu'ils peuvent aider à bouger les choses en agitant le spectre de M. Guérandi. Parce que j'ai vu comment, tout récemment, le discours, le soi-disant discours de Guérandi se baladait par les feuilles, les gens les glissaient et déposaient dans des rédactions, comme si l'homme providentiel se cachait quelque part. Et c'est ça qui n'est pas bien pour notre pays. Lorsque quelqu'un qui, vraisemblablement, aurait pu, doit être considéré comme un fuyard et rien que cela, même si on pourrait dire que ses amis étaient courageux, on ne peut pas accepter que ça continue comme ça, que tous les 12 mois, quelqu'un vient vous dire, c'est moi qui avais fait ça, et il explique comment est-ce que depuis 1977, ce coup d'État, cette tentative était une tentative réactionnaire. Quand on écoute le discours de Mitterrand, on a la certitude que c'était des réactionnaires qui voudraient réinstaurer l'ancien ordre régnant sur le Cameroun. Donc, ce qui serait, à mon sens, bien aujourd'hui, c'est que on aide quand même à cicatriser les plaies de cette tentative. Parce que c'est ça que nous essayons de faire. Nous exorcisons. Si on essaie de faire. Parce que si on exorcise, j'ai lu dans un. Qu'on ne laisse pas nos jeunes tomber dans ce discours de Guérandi et de tous les autres qui vont chaque jour dire « Moi, on m'a arrêté pour rien, on m'a fait ceci. » Alors qu'ils ont été cités par les putschistes comme complices. Ces gens complices de Guérandi essayent de désorganiser le peuple camerounais aujourd'hui. Parce qu'il y a des forces politiques, des forces patriotiques de tous bords qui travaillent au Cameroun pour que le changement qui peut intervenir soit le type de changement démocratique se table dans la plupart de nos pays. Mais quand on vient vous dire chaque fois arrêtez, il y a Guérandi qui est passé par le Tchad, il est passé en Centrafrique, ça commence à faire... Ça nous ramène quand même à plus de 20 ans en arrière avec l'amateurisme qu'on a... Et c'est pour ça que moi je dis qu'on a fait cette émission pour que nos jeunes à qui on donne un seul son de cloche. Parce que quand quelqu'un, on n'a pas encore trouvé un seul rescapé, c'est-à-dire un ancien prisonnier de cette affaire, qui reconnaisse avoir été. Tous vous disent que c'est de la délation. Dakolé me le disait encore il y a quelques jours. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, Dakolé, si vous lisez, il dit que Guérandi est un fou. Qu'il est
Il dit que Guérandi est un fou qui raconte n'importe quoi, qu'on l'a mis là et qu'il a été le premier à fuir. Et que Gakoulé est même allé plus loin pour dire que pourquoi on ne l'arrête pas. Je dis ceci, est-ce que cette tentative de push, ça encore c'est un autre débat, n'a pas plutôt poussé le Cameroun à reculer? Tout à fait. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut dire que cette tentative de push, nous avons les gens qu'on a dit peureux. Nous avons les responsables dans ce pays qu'on a dit être pas beaucoup plus pour l'ouverture et qui entouraient le chef de l'État. Aujourd'hui, cette tentative de push, moi, elle a pu pousser le chef de l'État. Les autres ont dû aller lui dire, mais vous avez vu, parce que quand on prend le discours de Paul Biya, quand il parle de rigueur et de moralisation, on prend son livre, c'est un monsieur qui a beaucoup d'idées. Et moi, je me dis, est-ce que la peur de certains, dès qu'ils ont vu ce qui s'est passé, la peur, c'est un état d'esprit, c'est un état de gens. Tout à fait. Alors, ça veut dire que, est-ce que la peur n'a pas tout bloqué? Parce qu'il faut aussi voir. Non, vous avez raison. Je ne dis pas que... L'élite de son successeur est un peureux. Aïd, on l'a dit, mais c'est pour ça que je veux dire que si c'était ça, pas seulement son successeur, tout ce qui l'entoure, est-ce que vous ne pensez pas que dès cet instant, moi, la condamnation de cette tentative de Bush, je crois que ça a pu aussi retarder les changements qui devaient venir. Moi, je voudrais quand même aborder dans ce que vous dites en apportant deux précisions. Et la première précision, c'est un avis personnel en ce qui concerne Guérandi. Je maintiens ce qu'a dit mon voisin de toi tout à l'heure. Aucune solution militaire ne doit être envisagée aux problèmes politiques. La politique est un métier particulier. Le rôle des hommes politiques, c'est de gérer les citoyens et résoudre leurs problèmes, quelle qu'en soit la gravité, quelle que soit l'intensité, l'urgence, la gravité des problèmes politiques, c'est des solutions politiques qui sont appropriées. Parce que même lorsqu'il y a la guerre, aucune guerre n'a jamais été gagnée sur le terrain. Même quand vous avez écrasé l'adversaire, vous êtes obligé d'aller conclure un accord pour qu'il n'aille pas se reconstituer et revenir. Donc la politique vient toujours après. Première chose, Guérandi veut insinuer et préparer psychologiquement les Camerounais à des solutions militaires parce qu'ils estiment qu'avec ce qui s'est passé en 2008, on atteint une dose de saturation et que les Camerounais veulent le changement. Il faut qu'ils apprennent au sacrifice suprême. Il ne peut pas avoir le changement sans sacrifice. C'est ce qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Et maintenant, sur l'événement même du coup, de la tentative de coup d'État, en fait, ce qu'il a dit M. Anani et Dakoulé fait bien de le dire, Guérandi, moi je le considère comme un usurpateur, il n'est pas prouvé, démontré qu'il était le cerveau. Il n'a jamais été prouvé. Il n'est pas prouvé, c'est parce que les autres acteurs, soit qui sont morts ou qui ne témoignent pas. Mais quand vous voyez la structure, parce qu'il y a un ouvrage de référence que moi j'ai lu et que personne n'a jamais démenti, La flamme et la fumée d'Henri Bandolo, publié en 1986, qui raconte tous les événements de 82 jusqu'à l'épilogue du 6 avril. Il dit que c'est un complot des privilégiés. Il démontre ce que nous avons démontré ici, que c'était une mutinerie autour de la caste de peuple musulman, du noyau du Daïdjo. Les autres, ça c'est les saupoudras, les Guérandi a fait, on a fait pour saupoudrer, pour montrer que en réalité c'est tout le grand nom qui était dans cette affaire. Donc Guérandi, pour moi, à la limite, c'était un usurpateur. Il faut que cette affaire, les médias l'arrêtent. Mais je comprends aussi les médias, hein, c'est la deuxième précision. Parce que la plupart de vous qui animez les médias, vous n'avez pas l'ancienneté de mon grand frère de droite. Donc ces événements, vous ne les avez pas vécus. Dans le traitement médiatique, on a besoin d'équilibre des sources. Vous avez la source des acteurs vivants, qui étaient les vainqueurs, mais la plupart des vaincus, vous n'avez pas leur témoignage. Donc chaque fois que Guérandi parle, ça vous attire. C'est pour ça que... Mais le dernier point par lequel je voudrais sortir, c'est ce qu'a dit M. Anani, à savoir l'impact du coup du 6 avril sur l'Ombia et sur le système, ce qu'on appelle le renouveau. On ne peut pas valablement sous-estimer que cela a eu un impact à la fois psychologique et politique sur l'homme d'abord et sur son projet politique. Mais il n'a pas reculé fondamentalement. Faisons un peu d'analyse. Bien est arrivé par un mécanisme constitutionnel, certes, mais le processus était subit.
Au 3 novembre, personne ne savait ce qui allait se passer au 4. Il n'était pas préparé le 3 novembre de devenir président de la République. Le 6 novembre, tout se passe brutalement et s'accélère. Et il s'inscrit logiquement, naturellement, dans la continuité. Il garde les mêmes orientations, le même dispositif politique et la même classe politique. Malheureusement, les choses vont très vite pendant que la population est encore dans l'euphorie. Les intrigues, comment le bicéphalisme éclate, qui va comme ça de crise en crise, de coup d'état en coup d'état, on arrive au 6 avril. En fait, la trajectoire du projet de renouveau ne pouvait qu'être modifiée. Donc, là, c'est tout dans quelle situation? Vous voulez assurer une continuité, vous gardez l'équipe politique d'Aïdjo avec les orientations, et puis subitement, vous découvrez que tous ces gens complotent contre vous. Raser tout ce qui existait jusqu'en 1984, au lendemain du 6 avril, c'est inimaginable. Il aurait créé une autre situation grave. Et remarquez que le gouvernement, il fait le premier gouvernement après le 6 avril, il le fait en juillet. On ne bouge pas plus de 5 ministres. Les premiers qu'on touche, Akamu Fumu, Defi Tchanga, Ngom Kome, et je crois Tori Limangana, on ne bouge pas plus de 5 personnes. Absolument. C'est le premier gouvernement. Le vrai gouvernement qui fait, ce n'est qu'en 85. 4 mois de 85. Donc, malgré ce qui s'est passé, il est encore dans la logique. Si vous suivez tous ces discours après le bouge, il appelle les Camerounais à la cohésion, à apaiser l'unité nationale, à la continuité, montrant que c'est tout le monde qui s'est mis ensemble pour. Donc, son projet était contrarié. Il ne pouvait pas faire table rase et faire une révolution le lendemain du 6 avril. Mais on entre quand même dans une dynamique d'apaisement qui s'est conclue par le congrès du RDPC, de l'UNC à Bamenda. Le coup d'État du 6 avril a joué comme une sorte de. A fait un coup de frein. Parce que le Cameroun était le pays, le meilleur risque en Afrique noire francophone. Mais pas jusque-là, ça n'a rien empêché puisque l'économie camerounaise était très bien partie. Mais en 1986, autre, il y a eu beaucoup d'autres événements sur le plan international, avec la mondialisation qui commençait à faire ses effets. Bon, mais là, ce que moi je dis, c'est que honnêtement, quelle que soit la gravité du problème auquel nous sommes confrontés, que les Camerounais ne désespèrent pas jusqu'au point de dire qu'il faut que les militaires prennent les armes pour renverser le gouvernement, pour s'attaquer à la République. Les Camerounais sont capables de changer leur pays. Et avec cette jeunesse dynamique que je vois, je me dis qu'il n'y a pas de raison pour eux de désespérer. Vous comprenez? Vous avez des défis à relever, il faudrait que les jeunes relèvent ces défis au lieu de continuer à dire qu'ils sont une génération sacrifiée. Nous, on était quoi? Il faut créer ce cadre de dialogue. C'est de ça que je voulais parler. Non, c'est pas le dialogue là. Allez-y. Je crois que. Non, c'est pas le dialogue. Je crois que Abdel a tout dit. Et tout ce que nous ne voulons pas accepter dans ce pays, c'est qu'un jour le pouvoir revienne au prétorien, comme on dit. Bon. Alors, mesdames, messieurs, c'est dommage. Vous savez, toutes les bonnes choses doivent avoir une fin. Et la télévision a des impondérables qu'on ne peut pas dépasser, auxquels nous sommes obligés de nous soumettre. Nous aurions voulu continuer cette émission. Nous avons voulu vous présenter ce soir une émission 25 ans après, sur le 6 avril. Nous espérons que les gens qui nous suivent comprendront que tout ce que nous avons voulu faire, c'est avec objectivité et sans passion, vous relater ce qui s'est passé, mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités. Ce que nous avons refusé, que nous continuons à refuser, c'est qu'il y ait des gens qui n'acceptent jamais de parler avec les autres, mais qui se défoulent chaque fois quand ils sont seuls. Je connais, monsieur, quand on a arrêté les étudiants, quand on est venu vous chercher à l'université, on a découvert qu'il y avait une trentaine de personnes qui avaient des cartes d'identité d'étudiants, alors que c'était des mutins qu'on a arrêtés. Et ces cartes d'étudiants avaient été données par des grandes personnalités du ministère de l'Éducation nationale de l'époque. Mais seulement quand on rencontre ces gens, ils vous racontent comment le régime, personne ne veut jamais reconnaître avoir fait poser un acte. Alors qu'on a arrêté de muter avec des cartes d'étudiants et qui les ont mis en cause, qui ont mis en cause ceux qui leur avaient donné ça. Ce que nous voulions dire ce soir, c'est qu'on enlève de la tête des Camerounais qu'il y a dans un camp des gens qui n'avaient rien fait et qui ont été martyrisés par ceux qui voulaient absolument tuer. Non, ça n'existe pas.
Il y a des gens qui étaient impliqués, il y avait des complices qui ont été dénoncés par les mutins qu'on avait arrêtés. C'est vrai qu'à pareille situation, il y a toujours de la délation. Alors, nous vous remercions pour l'attention que vous avez bien voulu nous prêter ce soir et que vous serez encore beaucoup plus nombreux à nous suivre dans nos prochaines éditions de la Tribune de l'Histoire. Car ce soir, cette édition spéciale est terminée. Bonsoir et merci.